Jean-Charles, bonjour. Jean-Charles, bonjour. Jean-Charles, bonjour. Peuple haïtien, qui est le monde qui est dans le pays, qui est le monde qui est à l'extérieur du pays, matin, vraiment content pour nous saluer. Jean-Charles, Pierre-Renel, nous te prenons le temps pour nous donner des discours de Jovenel Moïse. Dans le discours, on parlait des pays qui écrasaient, c'est ça qui fait les parler dans les Nations Unies. Les parler dans le deuxième temps, toute institution qui écrasait. Les parler tout, les dit faut gain, il y a un accord politique. Mais attention, Jovenel Moïse, depuis là où tu as gagné 4 mois, nous te dénoncé 17 premiers faux pas où tu fait. Nous te demandé faut gain correction. Dans le deuxième temps, on prend tout comme pays en bas, M. Bourgeois. Nous relamouer pour pas te dire rien, au contraire, de continuer. Dans le troisième temps, pour quitter toujours choisi pour vous. Donc, pour le premier ministre qui l'a, c'est chambre de député a choisi, mon cap de chambre de député, avec un bourgeois dans le pays. Quatrième problème, le peuple a mandé chercher l'argent comme son bateau caribéen ou pas jamais faire. Avertissement de là ou pas attendre. Avertissement gaz ou pas attendre. Et puis je dis, dans qui ça pays en trouvé là, pays en trouvé le tête en bas, pas de monde qui a sorti. Seul bagaille, nous-mêmes, nous parlons d'un accord politique peuple haïtien. Deuxièmement, nous voulons payer en point note. Peuple haïtien nous dit, nous, il y a une révolution qui peut être faite en dans pays. Et même les gens qui sont loin, ils sont capables de toute institution pays écrasée. Gagner un mandat à la Chambre des députés qui finit, détiercer un mandat au poil fini, mandat magistrat fini, pas gagner élection, n'a pas marché vers l'évolution des haïtiens. C'est ça que fait. Nous disons, les haïtiens, pas faire même erreur nous te fait en 1986, l'un d'avoué dit va y aller. Où est-ce que nous te fait? C'est comme quoi nous te fait. Nous déchouquer attaché yo, nous déchouquer Makout yo, qui c'est mon classe moyenne yo qui était tonton Makout, et puis nous quitter système en place, nous quitter gros famille qui prend pays en otage et puis nous quitter yo. M'a regardé la rien, moi grand pile mon classe moyenne qui victime, grand pile mon petit peuple qui victime, même gros autobwe. Quatre gros autobwe qui te bay bateau du riz, bateau farine, bateau tol, moi nous pouvons dire un yé peuple haïtien. Peuple haïtien, ramasse le caractère nous. C'est l'entre moi, Jean-Charles. Pourquoi dit un yé, ça veut dire qui ça? Gé de sel, créole parle, créole comprenne. En pile fois l'en parle, peuple haïtien comprenne. C'est le samedi. Nous finirons ramasser tout l'argent payant. C'est ça qui là, c'est ça qui diable, pas droit ou bien à gauche. Vous pensez que c'est concerné qu'à nous capables de chambarder le système, non? Écoutez. Dans sa robe là. Ok, ok. Écoutez, Gaël Dessel. Nous nous disons, les haïtiens, attention. Mais comment vous battez la orientée dans le pays? Son révolution qu'a fait. Nous-mêmes, l'histoire va nous faire battre. Même si les politiques ont croisé les pieds, yo chita la kayo, peuple haïtien prend destin en main. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous disons, pas trop parler, si le peuple agit. Nous-mêmes, nous avons une directive. C'est ça que fait, nous disons, paysan, attention pour ce qui s'est passé en 1986, nous déchouquons attaché, nous déchouquons Toto Makout qui était une classe moyenne, et puis qu'on y a, nous avons quitté le système en place, et puis après deux ou trois ans, nous sommes dans tout le même pire. Nous encore. Si nous frappons, frappons bien les haïtiens. Merci beaucoup. Radio Caraïbes. Merci en ville, sénateur Maurice Jean-Charles du Jean Parti. Petite Dessaline, n'a continué recevoir quelques monde n'a dit mon yo une case difficile pour que nous recevoir tout le monde en même temps hein. D'ailleurs le n'a fait n'a recevoir appel yo, il est difficile pour nous prendre tout appel yo en même temps
hein, sur téléphone là. Et donc gain des monde non pas capable prendre parce que soit pas qu'un numéro ou bien difficile pour nous prendre tout le monde en même temps, hein, sur téléphone là, pendant que ne pas parler à qui au micro. Donc si pendant m'a fait appel, pendant m'a recevoir mon problème, là difficile pour que moi recevoir appel là. Donc, bon, nous allons regarder sinon à parler avec citoyen ça, qui c'est Pierre-Antoine, qui c'est politologue, qui lui-même était ancien conseiller président Jovenel Moïse, ancien conseiller tout président Michel Martelly. Donc, voilà, difficile pour gérer le téléphone dans le matin là, avec appel qui a monté. Donc, bon, moi, regardez rapidement là, si ta ouais information ça avant même que me prend Pierre-Antoine qui lui-même Pierre-Antoine Mouche qui c'est politologue et diplomate, il était ancien conseiller spécial président Michel Martelly et Jovenel Moïse, il était démissionné 25 février passé an, et il voulait placer un mot par rapport à situation de crise n'a vive là par rapport à discours président Jovenel Moïse matin an. Pierre-Antoine Louis, bonjour. Bonjour, Monsieur Dussel. Oui, vous avez voulu placer un mot par rapport à discours président matin, non? Effectivement. Monsieur Dussel, situation au pays est effectivement grave, tout le monde comprend ça. Bon, on va comprendre que la situation actuelle là, bon, côté tout le monde tape bien content si hier, vers 7h du soir, 8h du soir, le président te parlé pour demander tout le monde, tout haïtien, dans l'esprit patriotique, pour nous faire un dépassement, pour nous permettre d'avancer pour tout le monde local à l'école. Bon, pour remarquer, ça fait vers 2h du matin. Bon, ça veut dire qu'on a un problème dans toute institution du pays. Je suppose le président lui-même, comme qu'on est un, dit même qu'il était paré pour le parler, discours était enregistré bien avant. Je suppose ça. Mais bon, comme on connaît pas grand marché dans le pays, maintenant, ça interpelle tout le monde, j'entends un sonore d'Abdil, là. Pour nous prendre conscience que le problème n'a allé au-delà du simple président. Que le problème n'a son problème de société, un problème que nous toutes gagnons, son bagage n'a fait depuis 215 ans avec 58 présidents mieux, tandis que les États-Unis qui gagnent 243 ans sous 44e président. Donc, nous avons un problème, encore une fois, 15 ans après 2004, n'a demandé pour l'OBSF. Et puis, bon, nous parlons d'accuser le monde, ben, nous avons un problème de légitimité. De tout côté, si, franchement, nous croyons en démocratie, et on dit que nous croyons un peuple. Okay. C'est adjectif que les populaires. La meilleure solution, c'est pour nous chita, pour nous faire la paix. En 1993-94, Dominique est sorti dans la crise électorale. Francisco Peña Gomez a accepté son sacrifice pour le pays. Si son sacrifice, j'entends ce que nous a dit là. Nous venons pour nous tous chita ensemble. Nous venons pour chaque monde faire mea culpa. Pour ce rôle que je jouais pour mettre le pays à côté de l'Evrodia. Nous n'avons pas qu'à trop fier, nous n'avons pas qu'à penser nous plus démocrates que l'autre. Nous, chaque bon bagage, nous reprochons tête. Si je vous dis, ok, qui, et si je me rappelle, je vous dis, tu as supposé 25 septembre. Ça fait 15 jours, ça fait 23 jours l'école ouverte. Si nous n'avons pas qu'à l'école, avant hier sur du Vénard, de saccager boulon business après au fin pile. Il y a des gens qui perdent la vie. Il y a des gens qui besoin de dialyse qui pas ta docteur. Il y a toutes sortes de problèmes. Moi je que pour le moment ça un dépassement pour faire pour nous tous ensemble effectivement avec Jovenel Moïse qui président pays là qui lui même tout gain pour le dire lui. Est-ce que l'aldement des peuples à pouvoir, il était pensé que quand il y a aujourd'hui, c'est l'altaïe. Donc ça veut dire nous, tout le monde pour nous reprocher tête. Je ne suis pas naïf, même j'ai avec l'ancien noir, même c'est un monde qui croit. Okay, contre toute attente, contre toute l'autre logique que l'autre monde a, moi je crois que les voix modérées de ce pays qui ont pu parler, pour dire, mes amis, on prend recul, on nous fait chita. Cette fois-ci,
nous prenons effectivement une mise sous tutelle. Femme d'où que la commission de tutelle des Nations Unies se mettait en veilleuse. Et je suspecte, après énième difficulté que nous avons démontré et monde là, que Haïtien n'a pas gouverné tête, c'est ça que nous avons démontré là. Ni moi-même, ni moi-même, M. Dussel, ni tout compatriote qui a attendu nous, ça ne nous pas blessé personne monde personnellement. Ça fait un prendre avec moi-même comme exemple. Nous, chaque bon bagage nous fait, ou bien bon bagage nous pas fait, qui fait jeudi à 23 jours après l'école ouverte, nous pas fait l'école. Son échec total, ou échec capital. Ça interpelle nous toutes. Puis il n'y a personne, le réo. OK? Ça aurait l'air que le bâtiment a menti pour nous penser que finalement ils allaient demain, tout le bagage va passer bien, et puis nous passer dans ensemble, nous allons entendre nous allons mettre un premier ministre. Nous allons mettre un chef l'État. Et notre transition. Mm-hmm. Nous tous connaissons ça pas possible. Nous tous connaissons cette blanche pour venir manu militari. Le loué citoyen mourit, la vina hélicoptère, et puis tout n'est pas dans le courrier, puis blanc fait poser une solution. Donc, aujourd'hui, à 215 ans plus tard, c'est ça qui est premier dans ton nid, tout ça à premier dans ton nid, pétion à premier dans ton nid. Tout le monde. Femmes et garçons qui ont nous indépendance, aujourd'hui, nous avons pour devoir, pour nous faire un dépassement, pour nous permettre de nous aller à l'école. Parce que nous connaissons si le peuple a fait un choix aujourd'hui, le peuple a tapé le matin à l'école, le peuple a tapé le matin à le travail. C'est parce que nous-mêmes qui sommes au pouvoir, nous avons fait des ordres. Nous-mêmes qui sommes en opposition, qui disons que nous pouvoir, nous avons fait des ordres. Donc, c'est faut la raison gagne. Sous tout vent de division, ça, une fois pour tout dans le pays. C'est point de vue, pas. Nous avons parlé de puisqu'on prend exemple, République Dominicaine, c'est Balaguer, Peña Gomez, c'est ça. Nous avons parlé dans la situation de crise, nous est là. Qui ça, vous pensez comme sacrifice, président Jovenel Moïse, qu'a fait pour aider à recoller les morceaux? Je m'a demandé, président, d'observer que nous comprenne. Que nous comprenons que l'idée élue, nous avons légitimité. Donc, nous voulons, dans le sens parler, respecter la Constitution. Cependant, il y a un peu de l'eau qui coule sous pont depuis le 7 février 2017. Situation réellement empirée. Il faut que tout le monde admette objectivement que 20% presque d'inflation, et des dégringolade à 33% de la goudre. Tout ça, malheureusement, c'est soit qui est président. C'est pas ça le développement comme ça. La situation vient de dégénérer. Donc, bon, mais à coup pas pour faire dans le sens que le président ou assumer tout ça pas bon. Dans ce sens. Moi, quoi, que c'est une erreur pour persister avec M. Fritz William Michel, qui probablement sont bons citoyens. OK, mais pas utiliser des épithètes qui ont dit que ça ne va pas détruire le monde. Cependant, moi, quoi, que il aurait été plus sage. Et il y a encore temps pour demander aux oppositions à choisir le Premier ministre Livléa. Choisir le Premier ministre Livléa. Moïse Jean-Charles, qui est à l'élection, qui sortit, si je me rappelle, en troisième position. Demander n'importe l'autre monde dans l'opposition, Edmond Supplice Bozil, ancien sénateur, député, ancien député, éducatrice qui a eu l'expérience. Sénateur Jean-William Gentil. Okay. Sénateur Lambert, pourquoi pas? L'autre monde encore. Personne ne va faire l'unanimité, nous, comme ça. Parce que le président Jovenel Moïse a tombé demain, déchiré la table, commencé à faire payer, a commencé à bouler. Donc, je crois que le président, ce n'est pas une faiblesse, président, c'est un signe de sagesse. Que vous reconnaissez la situation, vous comprenez, vous permettez l'opposition de désigner un premier ministre. C'est au président, tout arrêté à contresigner par vous-même. Et. Feuille de route et gouvernement, ça a son seul feuille de route lié. Là, un, prendre des mesures sociales pour permettre aux gens qui sont plus vulnérables de joindre un pain quotidien. Deux, commencer à identifier des projets porteurs dans le tourisme pour investir dans le tourisme. Trois, et investir dans l'agriculture. Parce que le tourisme va permettre tout écouler les produits. Quatre, mettez une interdiction
sur une série de produits de luxe qui ne peuvent pas entrer dans le pays. Identifier les produits ça, pour nous éviter la fuite des devises qui peuvent alimenter l'inflation. Et puis, maintenant, sur le plan